Bon, je vous remercie d'être venu pour cette conférence sur les mathématiques japonaises. Donc, Annick Horiuchi, notre conférencière du jour, est une ancienne élève de l'ENS. Elle a intégré en mathématiques, passé une agrégation de mathématiques, et puis elle a bifurqué vers l'histoire des sciences et elle a fait sa thèse sur les mathématiques japonaises dont elle va nous parler ce soir. Elle a aussi enseigné le japonais il y a déjà longtemps dans ces lieux. Pendant combien de temps? 3 ans. 3 ans. Et elle enseigne, elle est professeure à l'université Paris 7, Paris de Diderot, et elle enseigne l'histoire intellectuelle et l'histoire des sciences, donc à l'UFR de langue et civilisation orientale de Paris 7. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Je remercie donc d'abord Estelle Figon et l'École normale supérieure pour cette invitation à parler des mathématiques japonaises, donc un sujet qui peut surprendre au premier abord, mais qui est finalement assez connu maintenant, puisque cela a déjà donné lieu quand même à pas mal d'ouvrages et d'articles. Donc pour peu qu'on s'y intéresse, on trouve des choses sur ce domaine. Donc les mathématiques japonaises, pourquoi parler de mathématiques japonaises, on ne parle pas tellement on n'associe pas généralement une nationalité aux mathématiques. Alors, la raison est assez simple. Le terme même de mathématiques japonaises, de wasan, a été créé au moment où précisément les Japonais ont dû renoncer à leur propre tradition mathématique pour bifurquer, pour donc basculer vers les mathématiques occidentales. Donc cela s'est produit au milieu du 19e siècle, à l'époque Meiji, et c'est donc à cette époque-là que le terme de Wassin a été créé. Donc voilà l'histoire, en quelque sorte, de ce terme, et la raison pour laquelle on désigne donc cette tradition de mathématiques japonaises. Alors, cette tradition, je vais vous la présenter en 4 temps. D'abord, dans un premier temps, je vais vous dresser un panorama assez rapide du développement de cette mathématique, et également du contexte dans lequel elle s'est développée. Donc, ce sont plutôt des aspects historiques que je mettrai en avant. Ensuite, je parlerai d'un manuel de calcul qui a rencontré un très grand succès pendant toute la période donc des Tokugawa, période d'Edo. Et ce manuel s'appelle le Jinkoki. Ensuite, dans un troisième temps, je parlerai de l'âge d'or du Wassin, avec l'apparition de deux très grands mathématiciens, du nom de Seki Takakazu et Takebe Katahiro. Donc, pour Seki, on va fêter cette année le 300e anniversaire de sa mort, et il y aura des manifestations au Japon à cette occasion-là. Et quatrième point, j'évoquerai également en dernier le développement des écoles de Wassin au 18e et au 19e siècle, parce que c'est un phénomène extrêmement remarquable de cette tradition que ça se soit aussi autant diffusé parmi donc dans la société. Donc c'est un aspect qui est tout à fait remarquable dans cette tradition, que je ne voudrais surtout pas ne pas évoquer dans le cadre de cette conférence. Donc, la conférence s'annonce assez riche et je ne sais pas d'ailleurs si je vais pouvoir traiter toutes les questions. Donc j'espère que dans ce cas-là, vous me poserez des questions et que ce sera sous forme d'échange que je pourrai vous présenter en tout cas des aspects que je n'aurais pas pu développer. Alors comme je ne vous connais pas, je ne sais pas non plus si je peux aller loin dans les mathématiques. Je n'irai pas très très loin de toute façon, le temps étant limité. Mais juste pour vous dire que ça peut devenir assez technique si on veut aller en profondeur. C'est une mathématique qui est quand même assez sophistiquée. Alors, juste un mot, un peu une vision, un panorama du développement. Alors, le Wassan a connu une période de développement relativement courte si on la compare, par exemple, à la tradition chinoise. La tradition chinoise remonte à la nuit des temps et on trouve déjà des ouvrages, par exemple le grand classique des 9 chapitres, dont vous connaissez peut-être l'existence, a été compilé, on pense, au premier siècle, au premier siècle de notre ère. Et il reposait sur des connaissances bien plus anciennes. Donc, en comparaison,
cette tradition connue sous le nom de Wasan a commencé à se développer au XVIIe siècle, et les premiers, disons les plus anciens manuels conservés datent des années 1600-1620. Donc vous voyez que c'est là deux choses complètement différentes. Mais la notion, le nom de Wasan ne doit pas tromper sur son contenu. Il s'agit bien d'une tradition qui se situe vraiment dans le prolongement de la tradition chinoise. Hein, il s'agit en quelque sorte d'un produit, d'un sous-produit de la tradition chinoise. Il partage avec la tradition chinoise son vocabulaire, sa terminologie, son paradigme, si vous voulez, les méthodes, les procédés de résolution et même les types de problèmes auxquels les mathématiciens japonais s'intéressent sont tout à fait dans la lignée de ce qui a été étudié en Chine. Donc il ne faut surtout pas penser que le Wasan est apparu comme ça brusquement, ex nihilo, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, les liens avec la tradition chinoise, nous les verrons plus en détail plus loin. Juste, il faut savoir qu'à l'époque des Tokugawa, donc cette période 17e-19e siècle, ça correspond à la période des Tokugawa. C'est-à-dire où ce sont les shoguns Tokugawa qui dirigent le pays. Alors, au cours de cette période-là, les contacts avec la Chine, les contacts, disons, intellectuels avec la Chine, traversent des fluctuations. Ce n'est pas, surtout sur le plan scientifique, c'est une période un peu compliquée. Je ne peux pas entrer ici dans les détails parce que ça me mènerait trop loin. Mais il faut juste savoir que le pouvoir Tokugawa a établi une censure sur les livres provenant de Chine. Et cette censure, elle est due au fait que les Tokugawa ne veulent pas entendre parler des ouvrages produits par les jésuites. Parce que les jésuites sont présents en Chine, c'était pendant cette période-là, et ils sont très actifs sur le plan scientifique. Or, les Tokugawa veulent absolument tenir la population japonaise éloignée de l'influence chrétienne. Donc, c'est une autre histoire, c'est une histoire complexe, mais juste pour dire qu'une censure va s'exercer tout au long du XVIIe siècle, censure qui va être levée au début du XVIIIe siècle précisément parce que les savants japonais vont se rendre compte que c'est tout à fait dans leur intérêt de laisser entrer les ouvrages de science produits par les jésuites en Chine. Alors, c'est un peu compliqué, mais ce sont des éléments qui entrent en compte dans le développement du Wasan. Et enfin, les liens avec la tradition occidentale. Alors, c'est dans ce domaine-là, bon, j'anticipe un peu vos questions. Les liens avec la tradition occidentale, enfin avec les mathématiques occidentales, sont extrêmement réduits. C'est-à-dire que les missionnaires, il y avait des missionnaires à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe encore au Japon, donc certains historiens pensent qu'il y a pu y avoir des éléments qui ont été comme cela transmis aux Japonais, mais la langue faisant barrière, on ne peut pas vraiment considérer qu'il y ait eu une transmission significative de l'Occident vers le Japon à cette période-là. Par contre, les transmissions qui se sont opérées via la Chine, c'est-à-dire via les ouvrages en chinois produits par les jésuites en Chine, compliqué, mais c'est comme ça que ça se passe, eh bien, cette transmission-là est significative au Japon. Mais ça concerne un pan relativement limité des mathématiques, c'est surtout de la trigonométrie. C'était des mathématiques utiles pour préparer, pour faire de l'astronomie. Donc, par rapport à l'Occident, c'est à l'époque Meiji que, véritablement, les Japonais vont basculer, hein, vont découvrir les mathématiques occidentales dans toute leur ampleur, mais auparavant, leur connaissance des mathématiques occidentales était relativement limitée. C'est ça qu'il faut peut-être retenir de ce que je viens de dire. Alors, début XVIIe siècle, comme je vous l'ai dit, les Tokugawa sont installés durablement dans le pays, et donc ça apporte une stabilité à tous les niveaux, une administration, un encadrement de l'économie qui est tout à fait favorable à son développement. Donc on assiste à un essor économique assez remarquable. Le développement de la culture urbaine aussi, en particulier dans des villes comme Kyoto et Edo. Et enfin, l'élément le plus essentiel quand il s'agit de science et de culture, c'est le développement du commerce du livre et de l'imprimerie.
Alors, quand on dit imprimerie, il ne faut pas penser à la même imprimerie qu'en Occident. Il s'agit de planches gravées, de xylogravures. Donc, il s'agit d'ouvrages qui sont gravés sur les bois et qui sont reproduits donc en appliquant le papier sur les planches en bois gravées. Peu importe ici, puisque c'est ça qui permet en tout cas de rendre accessible à un plus grand nombre les ouvrages de science. Donc, grâce au développement du commerce, évidemment, les mathématiques deviennent un savoir plus accessible à une plus large frange de la population. Donc, on assiste, et cela va de pair avec le développement du commerce du livre, à l'essor de l'éducation et à l'apparition d'écoles de mathématiques, mais aussi d'écoles de toutes sortes d'autres choses, de toutes les disciplines. Donc, c'est un phénomène, si vous voulez, ce qui concerne les mathématiques est en fait appréciable, observable dans tous les domaines des sciences à cette époque-là. Alors, en 1620, donc, on assiste à la publication des plus anciens livres de calcul. Et enfin, un événement important en 1627, c'est la publication donc, de ce manuel qui s'appelle le Jinkoki, dont je vous montrerai les images dans peu de temps. Alors, avec le Jinkoki et la publication des manuels, des premiers manuels d'apprentissage du boulier, du calcul sur le boulier, on assiste progressivement au développement, à l'extension de l'intérêt pour les mathématiques. Et là, il se passe un phénomène assez courant dans l'histoire du Japon, c'est que pour approfondir les connaissances, les Japonais se tournent vers l'héritage chinois. Alors vous allez me dire, pour le Jinkoki, c'était déjà un peu le cas. Il y avait une influence chinoise dans les problèmes qu'on trouvait dans le Jinkoki, mais on assiste au cours du XVIIe siècle à une amplification de ce phénomène. C'est un petit peu comme ce qui se passe dans toutes les civilisations, quand les conditions, disons, économiques, culturelles sont réunies pour le développement d'une science, on se tourne vers l'héritage le plus riche qui est disponible à cette époque-là. Donc pour les Japonais, c'était l'héritage chinois. Et donc, on va chercher dans les temples, on va chercher partout où c'est possible, des ouvrages anciens pour essayer de les déchiffrer et les comprendre. Donc, voilà ce qui se passe. Et on arrive comme cela, à la fin du XVIIe et début du XVIIIe, à un âge d'or du Wasan, qui est et les mathématiques se transforment et deviennent un savoir quand même largement sinisé. C'est-à-dire que les Japonais se mettent à écrire des ouvrages en chinois classique. Alors, ces subtilités linguistiques ne sont peut-être pas si difficiles à comprendre, même pour un public occidental, si on pense que le chinois est pour les Japonais la langue savante de l'époque, et c'est un peu comme, si vous voulez, le latin pour les Européens au XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà, donc les mathématiciens de grande stature, Seki Takakazu et Takebe Katahiro, nous en parlerons un peu plus en détail. Je vous montrerai même un portrait de Seki. Donc je passe rapidement, puisque je suis toujours dans le survol. Ce qui se produit fin 18e, début 19e, c'est l'amplification du phénomène du phénomène des écoles de Wasan. Alors là, l'aspect, si vous voulez, la nouveauté, c'est que non seulement les écoles dans les villes, dans les zones urbaines, s'agrandissent et sont en concurrence entre elles, et donc ont tendance justement à tout faire, à tout mettre en œuvre pour recruter de la clientèle. Donc il faut voir qu'ici, nous ne sommes pas en présence d'une université, d'un lieu de savoir soutenu par l'État. C'est une mathématique qui se développe dans des petites écoles avec des maîtres, et qu'il y a là une question de survie. Il faut recruter de la clientèle pour que l'école puisse se développer. Donc nous avons ici un phénomène un petit peu de concurrence entre les écoles, qui va donner lieu à l'essor des tablettes votives, les sangaku, que je vous montrerai tout à l'heure et sur lesquelles je reviendrai.
hein, donc les fameuses tablettes votives qui sont en quelque sorte un petit peu le symbole du Wasan. Ce sont des tablettes de mathématiques, des panneaux de mathématiques que l'on trouve dans les temples et dans les sanctuaires. Alors je vous dirai un petit peu quel sens il faut donner à ces temples, hein, et on a tendance à trouver, à considérer qu'il y a un sens religieux dans ces panneaux, et bien moi je dis que pas du tout, c'est une erreur de penser qu'il y a une valeur religieuse dans ces tablettes. Alors pour finir, donc au milieu du 19e siècle, les savants japonais arrivent à la conclusion que pour adopter les sciences et les techniques occidentales, il est absolument indispensable d'adopter les mathématiques occidentales, et donc là, on va basculer vers un système où, disons, vers l'élimination complète, donc les choses sont faites assez carrément. On décide que dans les écoles, dans les nouvelles écoles primaires, on n'enseignera plus que les mathématiques occidentales. Donc, à l'époque Meiji, basculement total, les Wasanka, donc ce sont les grands maîtres de Wasan, se convertissent en nouveaux maîtres de mathématiques occidentales. Ça ne pose pas véritablement de problème parce qu'il s'agit bien de mathématiques, hein, donc il n'y avait pas d'erreur, si vous voulez, sur sur le contenu. On pouvait très bien passer de l'un à l'autre, comme aujourd'hui aussi, si ça vous amuse, vous pouvez essayer de voir à quoi ça ressemble. Ça peut trouver une traduction mathématique sans aucun problème. Voilà. Donc, juste, j'ai pas commenté cette image ambivalente des mathématiques. Il y a effectivement est attaché aux mathématiques une image ambivalente qui vient du fait que le boulier, hein, qui est quand même l'instrument de calcul le plus visible et le plus utilisé, est associé à l'activité marchande. Or, pour les samouraïs qui constituent la classe dirigeante de l'époque et qui veulent absolument se détacher de la classe marchande, hein, enfin, les samouraïs donc veulent se détacher de la classe marchande, eh bien, pratiquer, utiliser le boulier, c'était en quelque sorte déchoir, et donc il n'était pas possible pour eux disons que les mathématiques étaient associées à une image relativement négative à cet égard-là. Mais de l'autre, on va voir que ce sont quand même les samouraïs qui ont produit, donc les Seki et Takebe, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure, sont des mathématiciens d'origine samouraï. Donc il y a cette double facette des mathématiques au Japon. D'un côté, il y a l'idée que c'est vraiment un savoir qui noble, qui plonge ses racines dans l'antiquité chinoise, et de l'autre, il y a cette idée que les mathématiques, c'est quand même l'affaire des commerçants. Voilà, donc on va maintenant enfin aborder le Jinkoki, donc ce manuel, cet ouvrage qui est un ouvrage extrêmement important, hein, dans l'histoire des mathématiques japonaises, parce que c'est un ouvrage, mais vraiment un grand succès éditorial, avant tout. Il est publié, donc la première version, édition de cet ouvrage est publiée en 1627, mais aussitôt, il va donner lieu à des rééditions très nombreuses, et à chaque réédition, le contenu va s'enrichir. Une particularité, c'est que c'est écrit en japonais, donc en langue vernaculaire, ce qui veut dire que c'était un ouvrage accessible à la population sachant lire de l'époque. Et c'est également, ça contient des ouvrages, des problèmes d'origine chinoise, mais évidemment tout a été traduit en quelque sorte en japonais. Et même les situations qui sont mises en scène dans l'ouvrage sont des situations typiquement japonaises. C'est ça qui est important, c'est que d'emblée, donc en 1627, on a un ouvrage de calcul qui est véritablement intégré dans la société de cette époque-là. Donc un ouvrage au contenu très riche qui va servir de modèle pour les siècles à venir. Alors voici une page du Jinkoki. Donc là vous voyez un problème classique. Je ne le commente pas, juste c'est un problème qui pose qui demande de calculer donc le nombre de sacs empilés ici. Sachant, on vous donne, on indique le nombre de sacs, si vous voulez, ce sont des sacs en paille qui contiennent du riz, et on donne le nombre
de sacs qui se trouvent à la base. On dit, bon, ben, calculez le nombre total de sacs qui se trouvent dans la pile. Donc là, vous voyez un petit exemple, de petits problèmes et également la présentation, la langue. Hein, donc c'est bien du japonais. Alors, je voudrais juste également attirer votre attention sur une autre particularité du Jinkoki, qui est que c'était un ouvrage très bien illustré. Donc là, vous avez un autre problème qui est à la fois, vous voyez, un peu... C'est pas des mathématiques qui font peur, puisque c'est bien illustré, on voit un petit peu le contexte dans lequel c'est utilisé, c'est à la fois un peu ludique. C'est cet aspect aussi qui a été beaucoup souligné, c'est le côté un peu ludique des mathématiques qui se trouve exposé dans le Jinkoki. Et là, donc, que fait le monsieur à droite? Eh bien, il mesure la hauteur d'un arbre en utilisant du papier plié. C'est ce qui est indiqué. Donc on prend un papier, on le plie, puis on s'arrange pour viser, si vous voulez, le sommet de l'arbre. De telle façon que, ensuite, en mesurant la distance à l'arbre, on arrive à calculer la hauteur de l'arbre. En rajoutant aussi un peu je n'entre pas dans les détails. Voilà encore une autre illustration d'un autre problème. Qui n'est pas très compliqué non plus, on dit, bon ben voilà, on a quatre personnes qui doivent parcourir une distance de 6 lieues, et sachant qu'on a 3 chevaux. Donc ils doivent monter à tour de rôle sur les chevaux, et on demande donc comment faire sur quelle distance chacun doit monter, etc. Donc là, il y a une belle illustration. Alors là, c'est évidemment, c'est pour cela que c'est pour ce type d'apprentissage que les gens achetaient le Jinkoki, donc j'aurais peut-être dû commencer par là. Là, vous avez la représentation du boulier. Hein, donc, je vous rappelle à quoi je montrerai tout à l'heure l'image du boulier donc, dans la réalité. Mais là, vous avez donc la représentation du boulier, une indication que cette page-là est consacrée à la division par 3. Je dis bien la division. Vous avez ici... donc, cette partie-là correspond à la table de division par 3. Donc, vous avez ici la table qui indique 3, 1, 31, 3, 2, 62. Alors, si on rencontre 3, alors il faut inscrire 10. Alors, pour les amateurs, je vous laisse méditer. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste que la division, par exemple, de ce nombre ici, qui s'inscrit sur le boulier et qui correspond à 123 456 789, hein, puisque le boulier, la boule qui se trouve au-dessus compte pour 5, eh bien, donc il s'agit de diviser ce nombre par 3 et la procédure, si vous voulez, opère de telle façon qu'à chaque fois qu'on a divisé, on le remplace par le reste, par ce qu'on obtient. Donc le nombre qu'on divise va progressivement disparaître et laisser donc sur le boulier le nombre que l'on obtient au quotient. Mon explication est un petit peu succincte, mais voilà. Donc table de division par 3, table de division par 4, et ainsi de suite. Les choses sont en fait pas si simples que ça, puisqu'il y a encore d'autres tables qui viennent après pour les situations où la division ne se passe pas aussi simplement qu'on voudrait. Donc voilà le genre de choses que l'on apprenait, donc des tables qui permettaient d'opérer automatiquement, enfin de procéder à des divisions ou à des multiplications de manière automatique sur le boulier, pour que n'importe qui puisse le faire. Donc voilà un boulier japonais de l'époque. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est à partir de quand le boulier est introduit au Japon. Donc c'est relativement tardif. Les premiers, disons que c'est à la fin du 16e siècle seulement
que l'utilisation du bouillier est attestée au Japon, ce qui est relativement tard, mais en fait en Chine aussi. Hein, là, j'ai plus en tête, mais je pense que c'est au 15e siècle ou quelque chose comme ça que on a l'usage du bouillier est attesté en Chine. 14e ou 15e, 14e, c'est pas tout à fait évident, et 15e siècle. Donc, on peut même considérer que c'est l'apparition, l'utilisation du boulier qui a un peu déclenché le wasan au Japon. Alors, sachez aussi que la présentation, le boulier n'a pas la même apparence, ne se présente pas de la même façon au Japon et en Chine. En Chine, ils ont gardé les deux boules dans la partie supérieure, et en plus, donc, les boules sont bien rondes, alors qu'au Japon, elles ont vite été, la forme a été modifiée pour que la manipulation puisse être plus, je dirais, plus nerveuse, plus, que le doigt puisse bien saisir la boue. Alors voilà une autre page du Jinkoki, je passe rapidement dessus. Et encore une autre page où l'on voit que à chaque fois qu'il y a une volonté d'inscrire donc les problèmes dans la société de cette époque-là. Donc on reconnaît, le lecteur pouvait reconnaître des objets de la vie quotidienne, et on voit d'ailleurs que les problèmes renvoient à des situations tout à fait... d'ailleurs cet ouvrage permet d'étudier l'économie de cette époque, c'est un ouvrage très utile, un témoin, si vous voulez, des activités économiques de l'époque. Et en ce sens-là, c'est extrêmement intéressant. Alors là, c'est toujours le Jinkoki. Alors vous voyez que je prends toujours soin d'indiquer l'année, parce qu'il y a eu tellement de versions du Jinkoki que parfois il y a des problèmes qui se trouvent dans une édition qui ne se trouvent pas dans l'autre. Et d'ailleurs, du vivant même de l'auteur, Yoshida, il y avait des éditions pirates. Donc il se plaignait que l'on ait reproduit sans sa permission le Jinkoki. Alors là, vous avez un problème qui s'appelle le Mamakodate, qui est un problème très rigolo, d'ailleurs qui a un équivalent en Occident qui s'appelle le problème de Josephus. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a 30 enfants, 15 d'un premier mariage et 15 d'un second mariage. Et donc, il s'agit de décider qui sera l'héritier. Et donc, on décide de placer les enfants de cette façon-là. Alors les enfants du premier mariage, je ne sais plus du second, sont, on peut les reconnaître par leur habit, donc sombre, et puis les enfants de l'autre mariage ont un habit clair. Et ce que l'on fait, c'est qu'on compte, je crois, à partir de celui-ci, sauf erreur de ma part, et donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en comptant, donc en tournant. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, pardon, je ne vois pas très bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, j'ai du mal à compter, j'ai dû commencer par le mauvais. Mais en tout cas, là, c'est marqué 10. Donc, je vois bien que c'est celui-là sur lequel on doit tomber. Donc, celui-là, on l'élimine. Et on continue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on arrive jusque-là. Donc, celui-ci est éliminé. Et on voit que, comme cela, en continuant, eh bien, pratiquement tous les enfants qui portent un kimono blanc sont éliminés. Alors le dernier, quand on arrive au dernier, eh bien il dit non, et maintenant on arrête parce que c'est pas juste, ça avantage trop l'une des parties. Donc maintenant on va compter à partir de moi, donc celui-ci, je ne sais plus où il est, mais on va compter à partir de moi. Et ensuite on tourne dans le sens inverse, et là en comptant de 10 en 10, alors c'est les enfants de l'autre femme, de l'autre épouse, qui vont être éliminés tous. Chacun à son tour. Donc voilà l'histoire du Mamakodate. Donc c'est un jeu, si vous voulez, c'est un peu récréatif, il n'y a pas véritablement de problème, mais c'est un problème qui va être transformé par ce qui, justement, un problème de congruence, et donc ça va donner lieu à une réflexion mathématique aussi, par la suite. Donc voilà pour le Mamakodate. Donc ça c'était la transcription du problème, qui est donc relativement longue. Et là, vous avez un autre problème qui est le Nezumi-san. Donc là, c'est le comptage des souris. Hein, sachant que, bon, c'est un problème classique aussi. Vous avez un couple de souris qui donne naissance à 12 souris
en un mois. Donc en un mois, le couple de souris donne naissance à 12 souris. Et ensuite, dans le deuxième mois, les enfants et les parents donnent naissance à nouveau, chaque couple donnant naissance à 12 souris, etc. Donc c'est un calcul, si vous voulez, de puissance, avec un résultat relativement important, hein, qui est de l'ordre du milliard. Donc c'était aussi une façon d'apprendre à compter, à manipuler des très grands chiffres, des très grands nombres. Donc voilà le Nezumizan. Et enfin, en dernier lieu, sur le Jinkoki, je voulais juste également dire que les éditions ont été tellement nombreuses que en 1866, donc là on est vraiment à la veille de Meiji, on a encore donc des ouvrages publiés qui sont tout à fait qui sont inspirés du Jinkoki et dans lesquels on retrouve les mêmes problèmes, mais présentés un peu différemment quand même, puisque là vous voyez qu'il y a quand même un souci de démontrer la résolution, hein, puisque là on voit un petit peu comment on obtient la formule. Alors là, à partir de maintenant, je vais passer à une autre partie, hein, donc le Wasan qui va petit à petit se siniser. Alors s'il y a des questions sur la première partie, je peux y répondre, sur le Jinkoki, hein, s'il y a des choses qui vous ont intrigué, vous voulez absolument savoir tout de suite. Sinon, je m'aperçois qu'il y a des lettres qui sont bizarrement réagies, peu importe. Donc là, vous avez, donc je vais passer aux ouvrages de mathématiques d'origine chinoise qui sont introduits au Japon. Alors ça, c'est un sujet que j'aborde très rapidement, mais juste pour vous montrer la différence dans la présentation des manuels. Là, vous avez ici un ouvrage beaucoup moins illustré, même s'il contient quelques illustrations, ils sont beaucoup moins illustrés. Et il faut savoir aussi que pour les Japonais, c'était des véritables casse-têtes, puisque le chinois est une langue tout de même étrangère qui demandait beaucoup d'efforts pour être compris. Et là, vous savez, vous le voyez tout de suite que c'est une réédition d'un ouvrage chinois. Alors, comment on peut le voir? Eh bien, par ces petits signes que vous voyez et qui accompagnent, si vous voulez, les caractères. Donc, il y a des petits signes à droite et également des petits signes à gauche. Et ces petits signes, ce sont des signes diacritiques qui aident à la lecture du chinois. Alors, les Japonais ont un vocabulaire en commun avec les Chinois, ils ont une terminologie commune. Donc, par contre, la syntaxe du japonais est très différente de la syntaxe du japonais. Alors, la syntaxe du chinois, ce qui fait que ces signes permettent de restituer la syntaxe japonaise à partir de la phrase chinoise. Donc, ça indique l'ordre de lecture, si vous voulez, puis ça permet de rajouter quelques articulations pour reconnaître une vague phrase japonaise à partir de la phrase chinoise. Alors, juste pour vous dire que ce sont donc des ouvrages, pardon, qui vont... là, vous avez un ouvrage, je vais passer peut-être un peu vite, parce que j'ai encore beaucoup de questions à traiter. Donc là, vous avez à peu près un ouvrage contemporain qui a eu beaucoup de succès en Chine, qui réunissait en fait, qui présentait deux facettes. Il y avait la facette... c'est un ouvrage qui transmettait quand même un héritage qui remontait à l'Antiquité, et de l'autre, il prenait en compte un public nouveau de commerçants qui étaient plus soucieux de l'utilisation du boulier. Donc c'était un ouvrage qui répondait aussi aux préoccupations des Japonais de cette époque-là. Donc c'est un ouvrage qui sera beaucoup lu et donc réédité aussi au Japon dans les années 1600. Par exemple, celui-ci est réédité en 1672 au Japon, mais lu bien avant. Et là, c'en est un autre. Donc là, vous avez un ouvrage qui, lui, a été retrouvé et peut-être rapporté de Corée, où il avait été préservé. Donc en Chine, c'était un ouvrage introuvable, mais il était préservé en Corée, et c'est possible, on pense, que les Japonais l'ont ramené de Corée parce qu'ils sont partis, ils ont fait une guerre en Corée qui a été désastreuse pour les Coréens.
mais qui a permis aux Japonais de renflouer en quelque sorte les bibliothèques. Alors là, vous avez un ouvrage très intéressant qui date du XIIIe siècle, et vous notez cette. Donc là, vous avez ici un problème. Alors évidemment, je vais un peu vite. Vous avez ici un problème qui commence par il y a un champ rectangulaire. Là, ici, c'est écrit. Il y a un champ rectangulaire dont l'air est 5 mou 88 bou, donc ça indique la valeur du champ. On dit seulement que la longueur et la largeur, donc ajoutée, c'est-à-dire la somme de la largeur et de la longueur de ce champ, fait 74 bou. Et on demande, donc là la question posée, c'est on demande la différence entre la longueur et la largeur. Voilà la question, réponse 18 bou. Alors, après, ce qui était très intéressant dans cet ouvrage, et que les Japonais vont découvrir dans cet ouvrage, c'est ce qu'on appelle la méthode Tianyuan, la méthode de l'élément céleste, ou la méthode, certains historiens disent, la méthode de l'origine céleste. Alors, de quoi s'agissait-il? Eh bien, tout simplement de l'algèbre. L'algèbre que vous avez étudié dans les écoles et qui consiste à poser une inconnue et de faire des calculs pour arriver à une équation résolue par cette inconnue et ensuite donc trouver la solution de cette façon-là. Alors ici, on a une méthode équivalente en Chine qui s'appelle la méthode Tianyuan et si vous voulez, à la place de l'inconnue, vous avez une... un système de notation, pas vraiment de notation, c'est une algèbre, un calcul qui se pratique sur une surface à calculer, avec des baguettes de calcul. Alors, voilà les baguettes de calcul, et c'est pour ça que le caractère sin, si vous voulez, ici, que vous pouvez voir là, a la clé du bambou, puisque on a affaire avec les baguettes ce que j'appelle les baguettes de calcul et qui se présentent un peu comme des bâtonnets, on a affaire au plus ancien instrument de calcul utilisé en Chine. Alors, les Japonais ont découvert ça un peu dans l'ordre inverse, enfin, ils n'ignoraient certainement pas les bâtonnets, mais ils vont redévelopper le calcul avec les bâtonnets après l'introduction de cette algèbre. Alors, vous allez peut-être vous demander quel est le rapport entre les baguettes et l'algèbre. Alors, d'abord, juste indiquons comment on pouvait noter des nombres sur une surface à calculer avec des baguettes. Eh bien, de cette façon-là. C'est-à-dire que vous aviez deux systèmes de notation des nombres. Soit il y avait la disposition verticale ou la disposition horizontale. Et ça permettait donc de représenter ces chiffres. Et on les utilisait en alternance pour que les baguettes ne se mélangent pas. Par exemple, pour les unités, centaines, dizaines de milliers, etc., on utilisait la disposition verticale. Et pour dizaines, milliers, etc., on utilisait la forme horizontale. Alors, je dois quand même pouvoir vous montrer ça en situation. Voilà. Voilà une surface de calcul et la représentation donc des baguettes avec des rangs. Alors là, peut-être c'est mal disposé parce que justement, il faut que le système pour la dizaine, il faut utiliser la disposition horizontale. Donc là, c'est une image que j'ai pêchée, mais je me rends compte qu'elle n'est pas bonne pour ça. Donc, sachez qu'il faut alterner le système de notation horizontale verticale pour que justement les choses ne se mélangent pas. Bon, là, c'est bien quadrillé, donc. Alors, la méthode du Tianyuan, c'était ça. Il y avait en quelque sorte trois étapes, enfin deux étapes principalement. Il y avait donc dès qu'on avait un problème, il fallait identifier l'inconnu. Et ensuite, dès qu'on avait donc posé l'inconnu, alors on posait une baguette, un bâtonnet comme cela, donc ici, de cette façon-là. Et là, c'était, si vous voulez, on avait marqué sur la surface le niveau, le rang, la ligne où se trouvait l'inconnu. Et ensuite,
tous les polynômes formés à partir de cet inconnu étaient représentés sous forme de colonnes. Donc ici, vous aviez le terme constant, là le terme en x, là le terme en x au carré, etc. Et donc, plus on montait, plus... Et donc, c'était seulement les coefficients numériques qui se trouvaient disposés sur la surface à calculer. Et on cherchait l'équation vérifiée par cet inconnu en produisant sur la surface à calculer deux expressions différentes d'une même quantité. Et ensuite, on les identifiait, on obtenait l'équation. Et ce n'était pas terminé, l'usage de la surface à calculer continuait, se poursuivait au niveau de l'extraction de la solution, de l'équation. Donc on savait calculer la solution numériquement, hein, chiffre par chiffre, la solution d'une équation de degré élevé, 5 ou 6, par une méthode numérique, qui est un peu la grande spécialité de l'algèbre chinoise. Alors, voilà quelques images de... Alors, ce qui se passe, c'est que comme on ne peut... ce qui se passe sur la surface à calculer, pour pouvoir en rendre compte dans les manuels, eh bien, on les représente sous forme de tableau, comme ça. Ça, c'est un manuel japonais, un manuel qui présente justement la méthode d'algèbre. Et c'est un ouvrage relativement tardif. Alors, les Japonais n'ont pas disposer d'ouvrages comme ça pour apprendre tout de suite, pour apprendre cette algèbre. Donc ils ont dû ils ont beaucoup peiné pour comprendre comment ça fonctionnait. Parce qu'ils sont tombés sur un manuel qui l'utilisait, mais qui n'expliquait pas comment on l'utilisait. Donc voilà encore, ça représente, si vous voulez, l'extraction d'une équation. L'extraction d'une solution, d'une équation qui, ici, là, vous avez le terme constant, terme en x, terme en x au carré, terme en x au cube. Donc là, ça va jusqu'à la puissance 4 et le quotient s'affiche ici. Pardon. Ah, je suis un peu mal avec ça. Donc, c'est la ligne supérieure. Alors, j'en arrive maintenant à le grand mathématicien Seki Takagazu, celui dont tout le monde connaît le nom au Japon. Hein, tout écolier japonais qui a un tant soit peu écouté ce que son maître lui disait se souvient du nom de Seki Takagazu. Donc, c'est le mathématicien le plus connu au Japon, Diwasa. Donc, on ne connaît pas sa date de naissance. Il est mort en 1708. Et on a tellement voulu l'assimiler à Newton qu'à un moment donné, on lui avait même collé la même date de naissance, la même année de naissance que Newton. Enfin, c'était la période un peu nationaliste où on avait voulu vraiment mettre en avant le génie des Japonais. Alors vous voyez quand même que ce mathématicien est un samouraï, ça se voit à son habit, le port du sabre. Et son allure assez digne. Donc, ce n'est pas du tout le profil du commerçant. Alors, en quoi les mathématiques de Seki différaient des mathématiques qui l'ont précédé? Eh bien, tout simplement, là, ça, ce n'est pas un ouvrage de Seki, hein, mais c'est un ouvrage antérieur qui est daté de 1671, mais sur lequel Seki va travailler. Alors, ce qui se passe à cette époque-là, c'est que sous l'effet justement des ouvrages chinois dont je vous ai parlé et de cette introduction de l'algèbre chinoise qui se manipule donc avec les baguettes, eh bien, sous l'effet donc de cette introduction, les mathématiques japonaises vont se siniser et les Japonais vont écrire en chinois et produire une mathématique qui donc se formule de cette façon-là en chinois. Alors, l'unique ouvrage qui va être publié du vivant de Seki, c'est un ouvrage qui donne les résolutions de 15 problèmes posés par, donc, dans cet ouvrage qui s'appelle le Kokon Sanpoki et qui veut dire mathématiques anciennes et d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui en quelque sorte.
Ce sont donc 15 problèmes qui avaient été posés par un concurrent de Kyoto, et c'était des problèmes sans solution et considérés comme très difficiles. Donc c'était un défi qui avait été lancé par un concurrent de Kyoto, donc c'est qui va relever le défi. Et la difficulté de ces problèmes résidait dans le fait que l'algèbre chinoise à une inconnue n'était pas assez puissante pour résoudre ce type de problème. Il fallait poser plusieurs inconnues et il fallait les éliminer au fur et à mesure. Et donc, il y avait là des difficultés, si vous voulez, assez importantes qu'il fallait donc surmonter. Et c'est à cela que Seki va s'appliquer. Et il va publier donc les 15 problèmes, la solution des 15 problèmes. Alors, excusez-moi, là, c'est la transcription du problème de numéro 4 du Kokon Sanpoki. Que Seki va s'appliquer à résoudre. Donc je vous le donne quand même pour que vous ayez un peu une idée du genre de problème que c'est. Donc vous avez ici trois cubes ABC et on dit seulement que le volume de A et le volume de B font en tout 137 340 tsubo et aussi que le volume de B et le volume de C font en tout, donc vous pouvez lire 121 750 tsubo. On dit par ailleurs que le quotient en sun que l'on obtient, alors la tournure peut paraître un peu lourde parce que là j'ai traduit vraiment littéralement puisqu'il n'y a pas l'idée de racine, donc c'est une façon d'exprimer les racines qui est un peu algorithmique. Donc tout cela, je ne lis pas tout en détail, je vous laisse le lire, et on demandait donc les valeurs des côtés de ABC. Et si on traduit cela dans notre langue mathématique d'aujourd'hui, eh bien, ça donne un système de ce type-là à résoudre. Donc, c'était un système qui, outre que les valeurs données étaient assez importantes, les solutions n'étaient absolument pas des solutions simples, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des entiers. Donc, il y avait une complexité à beaucoup de niveaux. Donc, Seki va publier la solution. Donc là, vous avez le livre dans lequel Seki va publier les réponses des 15 problèmes. Sauf que les problèmes, les solutions qu'il va publier, comme vous le voyez, sont des solutions. Il donne la description des équations. Alors, c'était une équation qui avait un degré, je ne sais pas combien, 180 et quelques. Donc, une équation extrêmement... que personne n'aurait jamais voulu résoudre. Et en plus, donc, Seki ne donnait pas la façon dont il l'avait obtenu. Donc là, c'était quasiment de la provocation qu'il avait fait. Alors, il ne donnait que les équations en disant, bon, ben voilà, j'ai la solution. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque? Ça veut dire, j'ai la solution. Donc, ceux qui sont intéressés, venez à mon école, je vous dirai comment on fait. C'était le message qu'il faisait passer en publiant ça. Et ça a été assez efficace puisque bon, la renommée de Seki a été immédiate, même si il a eu aussi des détracteurs. Et c'est le seul ouvrage qu'il ait jamais publié, Seki. Alors tout le reste, toute son œuvre, qui est quand même assez remarquable, a été préservée, si vous voulez, au sein de son école. École qu'il n'a pas fondée du tout, mais il y a des disciples qui ont récupéré ses œuvres et qui ont ensuite ouvert une école en disant ben voilà, c'est l'école de Seki, et qui ont lancé en quelque sorte leur fonds de commerce. Et ça a très bien marché puisque jusqu'au 19e siècle, l'école de Seki a été l'école la plus renommée et celle qui a tiré les meilleurs éléments. Mais tout le monde ne se comportait pas comme Seki. Et là, vous avez le disciple de Seki qui s'appelle Takebe. Je n'ai pas d'image de Takebe. C'est quelqu'un qui a une autre vision des mathématiques, apparemment, puisque lui, il a publié un ouvrage, donc un peu plus tard, puisqu'en 1685, sachant que l'autre a été publié en 1674. Donc celui-ci, il a été publié en 1685 et il donnait le calcul algébrique qui avait été mené pour arriver à l'équation donc donnée par Seki dans l'autre ouvrage. Alors ce que l'on remarque, ce que vous remarquez peut-être ici sur la feuille, c'est que vous avez ici
Donc, une notation algébrique qui est dérivée de la notation de Qian-Yuan, sauf qu'elle a été élargie. Elle est élargie, on peut trouver ici sur le côté des caractères qui indiquent qu'en fait, c'est devenu une notation algébrique plus littérale qui permet de noter des polynômes, donc un coefficient littéraux. Voilà. Donc ça, c'est la notation qui va être développée par Secchi et qui va permettre de faire le calcul, disons, sur le papier, comme ça se pratique aujourd'hui, si vous voulez. Sauf que l'inconnu, il n'y a pas de notation pour l'inconnu, parce que tout ce qui est puissance de l'inconnu se présente sous forme de colonne. Donc c'est une sorte de notation matricielle, si vous voulez, des polynômes. Voilà, je n'en dis pas plus sur cette algèbre qui... Ça ne s'arrête pas évidemment à la notation, ça comprend aussi tout un ensemble de calculs, de techniques d'élimination de l'inconnu, etc., qui sont des techniques, par exemple, en utilisant le déterminant. Donc, tout cela, il y a tout un ensemble de techniques qui sont développées dans le cadre de cette algèbre-là. Alors, comme je ne veux pas non plus vous assommer, hein, j'en dirai pas plus sur l'algèbre littérale de Secchi, donc je répondrai aux questions éventuelles. Mais comme cela a été le cas en Occident aussi, l'algèbre est un outil qui est très puissant et qui peut être appliqué à toutes sortes de problèmes, à des problèmes géométriques, de toutes sortes. Donc, ce qui va se passer avec Secchi, c'est que grâce à ce nouvel outil, hein, dont il disposait, eh bien, il va revisiter un ensemble de problèmes qui jusque-là n'étaient pas du tout, n'étaient pas du tout traités avec l'outil algébrique. Et en particulier, la question de la mesure du cercle, hein, qui est un problème ancien en Chine, hein, la recherche du rapport, enfin la recherche le calcul de pi par exemple, ou le calcul de la longueur d'un arc de cercle en fonction du rayon par exemple, toutes ces questions là jusque là bon, il y avait une technique, si vous voulez, c'était numériquement qu'on abordait en l'approchant par des polygones, là où vous le voyez ici, mais l'apport de Secchi va être qu'il va chercher la circonférence comme une fraction rationnelle, si vous voulez, du diamètre. Donc il y a une utilisation, même si bon, ça n'aboutit pas, il y a une volonté d'utiliser l'algèbre pour traiter ce genre de problème qui est une approche nouvelle et très fructueuse, puisque à la génération suivante, c'est-à-dire quand on va arriver à Takebe, donc son disciple, eh bien, on va faire le pas, on va passer, donc le Wasan va passer à, va introduire donc les séries infinies dans le calcul. Donc à l'époque de Secchi, on n'y était pas encore, mais avec Takebe, on introduit la dimension, disons, de l'infini, et ce qui va permettre d'ouvrir encore plus largement la recherche, le champ de la recherche mathématique. Donc là, je suis un petit peu brève sur la question de... Donc là, vous avez... Là, c'est encore dans l'ouvrage de Secchi, c'est la recherche de fractions approchant... Donc là, vous avez ici 355, 113, qui est donc une approximation de pi qui est très bonne, et sur la, bon, que Secchi retrouve. Les Chinois la connaissaient, l'avaient obtenue, mais Secchi ignorait que les Chinois l'avaient obtenue. Et donc là, il parvient à cette approximation qu'il trouve bonne, mais il sait très bien que ce n'est pas la valeur de pi. Donc il ne résout pas le problème de la circonférence, mais il a mis en place des outils et des techniques qui vont véritablement aboutir à la génération suivante. Alors là, on passe à un autre sujet, c'est l'époque de Takebe. Alors, comme je n'ai pas d'image de Takebe, mais que je voulais quand même vous montrer un portrait, alors je vais vous montrer le portrait de Tokugawa Yoshimune, qui est le shogun qui
règne au Japon dans les années 1716-1730, donc c'est un shogun important qui est connu pour avoir levé la censure dont je vous parlais au début de cette conférence, la censure portant sur les ouvrages chinois, disons d'origine jésuite. Alors, ces images, que représentent-elles? Eh bien, elles représentent la situation des Occidentaux au Japon au XVIIIe siècle. Alors, vous avez ici, à gauche, ici, les Hollandais. Alors, les Hollandais étaient les seuls Occidentaux autorisés à commercer avec les Japonais à l'époque des Tokugawa. Il y avait énormément de Portugais au début du XVIIe siècle. Ils ont tous été expulsés parce que, pour des raisons, pour éliminer le christianisme. Alors, les Hollandais n'ont jamais mis en avant leur religion, et donc ils ont entretenu des très bonnes relations, enfin très bonnes entre guillemets, avec le pouvoir Tokugawa. Sauf que, ils passaient leur temps dans cette petite presqu'île que vous voyez à droite, qui était rattachée à la baie de Nagasaki par ce petit pont, cette petite porte. Et donc, ils y passaient toute l'année, si vous voulez. Dans cette petite presqu'île, vous voyez qu'elle n'est pas très grande. Donc, ils avaient du bétail, enfin bon, ils vivaient là, en autonomie. Il y avait des femmes, si vous voulez, qui leur tenaient compagnie, donc ils ne s'ennuyaient pas tant que ça. Et il y avait un bateau, donc ils venaient chaque année pour le commerce, si vous voulez. Et c'était rare que les Hollandais, l'équipe, si vous voulez, reste plus d'un an. Parce que c'était quand même, bon, passer un an à Deshima, c'était quand même pas spécialement agréable. Alors, une fois par an, en tout cas au moins au début, c'était une fois par an, il y avait quelques marchands qui faisaient le voyage jusqu'à Edo, donc c'est l'ancien nom de Tokyo. Et là, vous avez à gauche, donc, les Hollandais, au moment où ils sont à Edo, alors je n'arrive pas à voir... Vous voyez donc les Hollandais derrière la fenêtre et l'attroupement des gens de Edo qui sont venus regarder la tête des Hollandais. Voilà. Donc c'est une estampe de Rokusai, je crois, qui représente donc l'auberge Nagasakiya qui accueillait donc chaque année les Hollandais. C'est un objet de curiosité. Alors, pourquoi je vous parle des Hollandais? Eh bien, c'est parce que il y a eu des contacts avec les Hollandais à partir de l'époque de Yoshimune, dont je vous ai montré la photo, l'image, le portrait tout à l'heure. Et il y a eu des sciences hollandaises qui vont être étudiées au Japon en étudiant la langue, etc. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en mathématiques, il ne se passe pas grand-chose dans le domaine des sciences hollandaises. Autant en médecine, en astronomie, les Japonais se mettent à étudier les ouvrages occidentaux et les ouvrages hollandais, autant en mathématiques, ils n'accrochent pas, peut-être parce que le Wassan les satisfaisait pleinement. Ils avaient suffisamment de quoi s'occuper avec le Wassan. Donc je n'en dirai pas plus de l'époque de Takebe parce que tout simplement ça devient un petit peu technique. Et je vais passer donc à la dernière partie de ma conférence et qui porte donc sur les écoles de mathématiques. Alors là vous avez une représentation d'une école de mathématiques donc au début du 19e siècle, en tout cas l'image est tirée d'un ouvrage du début du 19e siècle. Alors vous voyez que ce n'est pas véritablement une classe, hein, vous n'avez pas un maître avec plusieurs élèves devant lui, mais c'est plutôt un enseignement assez individualisé. Donc vous avez le maître qui enseigne ici, donc ça c'est le maître, et donc là c'est un élève apparemment qui étudie avec les baguettes. Sur le côté, vous avez des jeunes qui calculent sur le boulier. Et là, sur le côté, vous avez des gens qui étudient donc, dans un ouvrage. Alors, l'enseignement des mathématiques
se faisait selon des modalités assez bien définies, c'est-à-dire que chaque école avait ses grades. À chaque fois qu'on passait un palier dans l'apprentissage, on décernait à l'élève un... excusez-moi, c'est pas ça que je voulais montrer. On décernait un certificat. Donc ça s'appelle donc un permis en quelque sorte. Et à chaque fois qu'on passait au palier suivant, on avait le droit, on était autorisé à recopier des ouvrages du maître. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la connaissance, le savoir mathématique n'était pas diffusé largement par le biais des ouvrages. Les techniques les plus secrètes, le savoir le plus sophistiqué, était en quelque sorte le corpus secret de l'école. Donc, il fallait le mériter. Ce n'était pas pour tout le monde. Alors, quand on arrivait vraiment au palier final, à ce moment-là, on avait l'autorisation d'hériter, en quelque sorte, de succéder au maître de l'école. Un cran, disons, un niveau plus bas, on pouvait ouvrir une école et se réclamer du même courant, par exemple. Donc, il y a l'appartenance à l'école a une importance beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, si vous voulez. Enfin, qu'aujourd'hui, que dans la conception, disons, occidentale de l'enseignement. Et cela tient au fait que les connaissances ne sont pas largement diffusées. Mais là encore, bon, il y a toujours des gens qui vont à l'encontre du mouvement, du mouvement général. C'est-à-dire qu'il y avait des disciples qui s'amusaient à aller d'école en école et de réunir toutes les informations et de les publier. Bien sûr, ça existait. Donc, globalement, ce respect du secret existait aussi. Alors, l'école de Seki, comme je vous l'ai dit, est l'école qui est de loin la plus réputée et la plus, de loin la plus réputée. Et la raison en est que non seulement elle détient le savoir, le produit par Seki lui-même, mais il y a tous les disciples, les grands disciples qui lui ont succédé, qui ont eux-mêmes produit des textes importants. Et donc, tout cela constitue le corpus de l'école que l'on peut évidemment on peut découvrir au fur et à mesure de son apprentissage au sein de cette école. Alors, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure est celui d'un mathématicien qui a osé défier l'école de Seki. C'était pas une chose facile que de défier donc des maîtres établis comme ceux de l'école de Seki. Alors c'est là qu'interviennent les tablettes votives. Là vous avez le sanctuaire d'Asakusa, alors qu'on n'associe pas forcément aux mathématiques. Mais alors que viennent faire les mathématiques dans les sanctuaires? Alors à une époque justement où les écoles se font une concurrence féroce pour essayer de recruter le plus d'élèves possible, tout en préservant le secret sur leur corpus, la publicité, les médias constituent un instrument très important pour une école pour se faire connaître et pour attirer la clientèle. Alors c'est dans ce cadre que les panneaux mathématiques vont être utilisés. Alors là vous avez un panneau qui n'a rien de mathématique, vous n'êtes pas trompé, là ça représente un cheval. Alors c'est juste pour montrer que les panneaux mathématiques se situent dans le prolongement de cette pratique qui consiste à poser des panneaux dans les temples. Alors, au début, on offrait des chevaux, on donnait des chevaux en offrande dans les temples pour qu'un vœu soit exaucé. Après, bon, on a laissé tomber l'idée d'apporter son cheval et on a remplacé par des panneaux représentant des chevaux. Ça existe encore, si vous voulez. Ça s'appelle les Emma,
Hein. Donc c'est plutôt des planchettes qu'on peut acheter dans les temples et que l'on accroche à un arbre, par exemple. C'est pour faire un vœu et pour que le vœu soit exaucé par la divinité du sanctuaire ou le Bouddha. Alors, ce qui s'est passé à l'époque d'Edo, à l'époque des Tokugawa, c'est que ces lieux très fréquentés qui étaient les sanctuaires et les temples vont devenir en quelque sorte le centre, le point de rencontre des mathématiciens, enfin le point de rencontre de tout le monde, mais en particulier des mathématiciens. Et comme il y avait des galeries justement où on pouvait trouver des panneaux, alors ça c'est un panneau plutôt, je dirais, où un artiste faisait montre en fait de son talent. Donc là il avait dessiné une belle peinture et il essayait de faire la publicité de son talent. Et dans le domaine des mathématiques, alors ça se présentait de cette façon-là. C'est-à-dire que vous aviez, alors c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est-à-dire que les panneaux contenaient les problèmes, la solution et l'indication de la date où le panneau avait été posé et également l'indication de l'école à laquelle appartenait la personne donc, qui avait soi-disant résolu le problème. Alors, on a pensé au début, et il a été dit et répété, que ces panneaux, eh bien, c'était pour remercier les dieux d'avoir pu résoudre un problème de mathématiques. Mais plus on étudie et plus on s'aperçoit que ça n'a rien à voir, en fait, avec ça. C'est juste des panneaux publicitaires. C'est juste pour faire connaître l'école. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des panneaux de cette sorte-là un peu partout. Et pas seulement dans les villes, mais également aussi dans les coins les plus reculés du Japon. Là, je vais peut-être vous en montrer un en situation. Voilà, donc là, vous avez un petit temple de campagne, il n'y a pratiquement rien, enfin, absolument isolé, et une tablette, enfin, un panneau mathématique. Alors, les panneaux qui sont actuellement conservés au Japon datent du 19e siècle parce que ces panneaux, comme vous voyez, sont très exposés. Donc, ils ne peuvent, les dessins, les peintures s'effacent très très vite. Donc, c'est très difficile de déchiffrer des panneaux qui datent d'il y a plus d'un siècle. Alors, les amateurs de mathématiques s'amusent à recopier ces panneaux et à en fabriquer des nouveaux pour les exposer dans les temples et les sanctuaires aujourd'hui. Donc si vous allez au Japon et si vous regardez un petit peu dans les temples, même à Ueno, on peut trouver des tablettes comme cela, des panneaux mathématiques qui sont en fait des copies récentes de panneaux anciens. Alors j'étais un petit peu vite sur ces panneaux, en fait j'ai dit que ça servait à faire de la publicité, il n'y a pas que cela. Par exemple, un jeune mathématicien qui est arrivé à la capitale et qui venait de la campagne, et qui considérait qu'il avait du talent en mathématiques, eh bien pour se faire connaître, il pouvait aller dans un sanctuaire, par exemple dans sur le mont Atago, hein, il y avait un peu un point de rencontre des mathématiciens, il posait son panneau et comme ça il voyait la réaction des mathématiciens de la capitale et c'était une façon pour lui assez facile de se faire connaître. Alors il y a un autre aspect, une pratique qui s'est développée autour de ces panneaux mathématiques, c'est que quand quelqu'un posait un panneau et qu'il y avait un autre mathématicien qui passait et qui, en voyant le panneau, trouvait que la solution était maladroite ou que lui, il avait une solution plus élégante, eh bien, il collait un petit bout de papier sur le panneau en disant « ben voilà, moi, je propose cette solution, elle est meilleure, elle est plus belle ». Et comme cela, il pouvait y avoir plusieurs petits bouts de papier collés sur le panneau. Et ces panneaux mathématiques ont donné lieu aussi, alors là c'en est un autre, souvent c'était assez coloré, ont donné lieu à des traités de mathématiques. Donc
Si vous voulez, les mathématiques se sont développées dans les écoles qui elles-mêmes ont provoqué l'essor des panneaux, mais les problèmes que l'on mettait sur les panneaux avaient quelques particularités. Il fallait que ça tienne, si vous voulez. Ça ne pouvait pas être des panneaux dont les solutions étaient très longues, etc. Donc ça a conduit, enfin on peut dire ça comme ça, ça a conduit à développer certains types de problèmes. Comme par exemple celui-ci, il y a eu un goût très prononcé pour les problèmes d'inscription, où on mettait par exemple, là vous avez dans un cercle des quantités d'autres petits cercles, parfois en nombre illimité, et on demandait de calculer quelque chose. Ça pouvait être aussi des ellipses, hein, des cercles inscrits dans des ellipses. Il y avait aussi des éventails. Là, j'aurais dû peut-être en apporter un peu plus. Là, le choix est extrêmement large. Hein. Vous pouvez, d'ailleurs, il y a un site internet où on a mis tous les panneaux conservés au Japon dans les temples. Donc, dans chaque région, les professeurs du secondaire vont avec leurs élèves visiter les temples et repérer les panneaux, etc., existants. Il y a tout un travail de fait comme ça dans les régions pour arriver à un catalogue complet des panneaux existants. Et celui-ci, bon, c'est un traité de mathématiques, ça s'appelle des panneaux sacrés, qui a été publié en 1789, où l'on voit que, donc un petit peu la sophistication, hein, quand même, des problèmes. Donc là, on donne le rayon du grand cercle et le rayon du tout dernier, et on demande combien il y en a. Sachant qu'il y a aussi des petits cercles, si vous voulez, qui sont insérés, les noirs, là. Et vous voyez que là, la solution, hein, c'est pas comme la solution de Secchi qu'on avait vue tout à l'heure, là, la solution, elle tient en deux lignes. Donc, le maître, là, le mathématicien, était très fier de montrer que ce problème-là pouvait être résolu par une formule extrêmement concise. Donc, ce problème était considéré comme magnifique. C'était vraiment le sommet de l'art. Alors, je ne vous l'ai pas traduit, mais juste un petit peu pour vous montrer pourquoi, souvent, au Japon, le wasan est associé, on l'associe à l'art. C'est-à-dire qu'on on considérait que les mathématiques étaient enseignées un petit peu à l'instar de l'art floral ou de la cérémonie du thé ou des choses comme ça. Donc c'était une pratique qui avait aussi une dimension un peu artistique. Mais je préférerais quand même que vous ne reteniez pas que ça, puisque justement je me suis battue assez longtemps pour essayer d'aller contre, hein, cette idée. Au Japon, c'est encore l'image la plus, disons, répandue du wasan, que c'est un art, que c'est les gens faisaient des mathématiques un petit peu pour leur loisir, pour s'amuser, et que c'était tout, et que ça n'avait pas véritablement d'ambition scientifique. Alors, je ne pense pas que ça soit tout à fait vrai. Donc, justement, je voudrais conclure sur ce point, c'est-à-dire que pendant assez longtemps, on a assisté en fait à deux visions des mathématiques japonaises. D'un côté, on disait du wasan que c'était une mathématique géniale, qu'on avait donc des mathématiciens comme Seki et Takebe qui étaient quasiment les équivalents de Newton et de Leibniz. Et donc ça a été une tendance. Ensuite, on a assisté à une autre tendance qui a consisté plutôt à dénigrer, ces mathématiques, en disant non, c'est l'art, c'est pour le loisir, c'est pour s'amuser, ça n'avait pas de véritable ambition. Et je pense que, pour ma part, que la réalité se trouve peut-être entre les deux, c'est-à-dire qu'il suffit en fait d'accepter l'idée qu'il peut y avoir des mathématiques qui fonctionnent sur des normes différentes et qui mettent l'accent sur d'autres aspects. Et en particulier ici, c'est vrai que l'aspect esthétique, c'est-à-dire la concision de la solution, a été un aspect très valorisé, et donc ça a donné lieu à ce type de mathématiques. Mais de l'autre, on a vu aussi chez Secchi, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas on l'a vu quand même, que chez Secchi,
il y avait véritablement une ambition scientifique très forte qui consistait à arriver à une mathématique la plus générale possible, à développer des outils les plus généraux possibles pour englober des catégories de problèmes toujours plus larges. Donc, rechercher des outils de plus en plus puissants. Donc, il y a ces deux aspects dans le Wasan, et il y a une matière en tout cas suffisamment riche qui explique qu'encore aujourd'hui, on s'y intéresse beaucoup, et que ça donne lieu encore à des recherches, pas seulement de la part d'historiens, mais aussi de la part d'amateurs, si vous voulez, de mathématiques. Voilà, merci. Oui. Merci beaucoup, madame, pour votre exposé que j'ai trouvé extrêmement instructif. Je m'excuse d'arriver en retard et d'être sorti pendant 3 minutes. Est-ce que je pourrais avoir une petite idée, s'il vous plaît, de ce qui s'est passé après cette période-là, et en particulier au 20e et aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont rattrapé le retard, ou est-ce qu'ils en sont encore à ce genre de mathématiques? Eh bien, comme je vous l'ai dit, à l'époque Meiji, donc dans les années 60, 1860, donc la décision est prise d'adopter les mathématiques occidentales. Et après, les choses vont aller très très vite. Et le fait que le Wasan se soit développé autant dans les campagnes que dans les villes va énormément aider au passage aux nouvelles mathématiques. Donc, et en matière de capacité de calcul à l'aide du boulier, par exemple, eh bien, je pense que s'il faut comparer les performances dans ce domaine, je pense que les Japonais étaient largement, étaient très bons en calcul à la fin du 19e siècle, en tout cas. C'était pas quelque chose dont ils avaient à avoir honte vis-à-vis de l'Occident. Il y avait là juste toute une discipline à découvrir, mais s'il s'agit vraiment de la base, c'est-à-dire de ce que l'on apprend dans les écoles primaires, il n'y avait là vraiment rien de, si vous voulez, il y avait déjà de très très bonnes bases au Japon. Alors pour ce qui est du développement par la suite, l'histoire est assez bien connue, donc on crée une université, et on envoie des jeunes japonais en Occident, en Europe, étudier dans les universités occidentales. Et dès que cette première génération de gens qui ont appris en Occident reviennent au Japon, eh bien, tout est mis en place arriver à un niveau équivalent. Donc ça, c'est, si vous voulez, il faut attendre que les générations, si vous voulez, à peu près deux générations, et c'est à peu près au tournant du 20e siècle, que l'on a le premier mathématicien japonais, Takagi Teiji, qui est en mesure de produire une mathématique reconnue de niveau international. Et après, bon, ça n'a pas cessé. Il y a une période un peu difficile qui est la période qui correspond à pendant la Seconde Guerre mondiale, où le milieu scientifique japonais a été coupé du milieu scientifique occidental. Mais ça n'a pas d'ailleurs véritablement empêché la science de continuer à être étudiée au Japon. Donc je pense que le Japon rattrape, si vous voulez, le niveau international à partir des années peut-être 1920, quelque chose comme ça. Donc c'est très difficile de mettre en relation le Wasan avec cette situation-là, mais de manière directe, si vous voulez. Mais on peut quand même concevoir que cette
généralisation de la pratique mathématique à l'époque des Tokugawa a pu jouer un rôle, si vous voulez, dans ce développement rapide au Japon des mathématiques occidentales. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des Nobelisables ? Des ? Nobelisables. Sans doute, sauf qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, mais bien sûr, il y a eu des médailles Fields. Oui, bien sûr. Oui. Vous avez parlé des relations entre voisins et commerce. Est-ce qu'il y a, dans le développement des mathématiques japonaises, des relations avec la guerre, sur le terrain de la guerre, Alors, non. Non, dans le Wasan, non. Et ça viendra plutôt des textes occidentaux. Là, oui. Mais à ma connaissance, justement, ça aurait pu être un domaine où l'analyse aurait pu servir, mais c'est pas un domaine, en tout cas, qui a beaucoup d'importance, en fait. On est resté très focalisé sur les figures, comme ça, les cercles, les ellipses, les calculs d'air, les calculs de volume. Donc l'analyse infinitésimale qui a été développée, elle a surtout servi à calculer des airs, des volumes et des choses comme ça. Et finalement, ça a servi aussi dans les problèmes de trigonométrie. Mais il n'y a pas eu justement de stimulation. Enfin, le Wasan, ce qu'on dit toujours, a manqué un peu de stimulation et il n'y avait pas véritablement de physique, si vous voulez, de science physique qui pouvait venir alimenter la recherche mathématique au Japon. C'est de ça surtout que le Wasan a manqué, on peut dire. Donc justement, ce que vous dites me permet justement de rappeler ce point hein, qui a été justement une... C'est pas un défaut, si vous voulez, mais c'est une particularité du Wasan qu'il a cherché les problèmes là où il avait l'habitude de les chercher, c'est-à-dire dans les figures. Oui ? Je veux savoir, en fait, c'est par rapport aux écoles. D'accord. Alors, je voulais savoir, en fait, moi, par rapport aux écoles, parce que là, donc, je sais pas, on entend souvent parler des écoles pour les enseignements assez poussés, quand même. Et en fait, j'aurais voulu savoir au niveau plus populaire, au niveau de l'éducation des jeunes enfants, par exemple, est-ce qu'il y avait, par exemple, l'utilisation d'ouvrages comme le Kintoki ou je ne sais pas, est-ce qu'il y avait des mathématiques dans des... Est-ce qu'il y avait des enseignements populaires déjà connus Oui, d'ailleurs, ce que je vous ai montré en premier, donc le Jinkoki, c'est un enseignement populaire, entre guillemets, parce qu'on ne sait jamais très bien à quoi on a affaire quand on parle du peuple. Au XVIIe siècle, il n'y avait quand même pas tant de gens qui savaient lire. Hein. Donc c'est la culture, justement, la capacité de lire s'étend petit à petit dans les couches un peu plus modestes. Donc au début, au XVIIe siècle, on a quand même affaire plutôt à des gens, par exemple l'auteur du Jinkoki est vraiment issu d'une famille de gens très cultivés, ayant accès aux Chinois, etc. Donc c'est vraiment une élite. Alors petit à petit, justement, à l'époque des Tokugawa, on assiste à un élargissement du public hein, qui s'intéresse aux mathématiques. Alors, ce que vous me posiez comme question, c'était justement l'enseignement en fait du calcul, enfin à niveau élémentaire. Eh bien, ça, l'image que j'ai montrée de l'école, là, ça correspondait à un haut niveau. Hein. Je pense que il y avait aussi parallèlement l'équivalent des écoles élémentaires, sauf que bon, c'était pas des grandes classes, hein, c'était toujours assez individualisé en fait l'enseignement au Japon, comme en Chine, je crois. Et ce qui la différence, c'est qu'ils avaient affaire à des enfants, hein, des jeunes enfants d'âge varié. C'était selon, enfin, c'est qu'on pouvait venir à l'école apprendre, donc on y venait, donc ça pouvait être à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, 8 ans, et même plus âgé, c'était. Donc ça dépendait de la situation de la personne. Mais c'est là où on enseignait surtout le calcul, hein, apprendre à servir du boulier, apprendre à compter, apprendre à faire des additions, multiplications, divisions à la rigueur, et les petits problèmes du Jinkoki qu'on a vu tout à l'heure. Et les mathématiques de ce type-là, c'est quand même un niveau supérieur, hein, bien sûr. C'était pas pour tout le monde.
comme aujourd'hui, c'est-à-dire que les mathématiques, c'est tout le monde ne pratique pas les mathématiques avec, comment dire, avec goût. C'est ça, ça ne concerne que quand même une portion de la population, mais relativement large quand même. C'est-à-dire que, enfin, on n'a pas de chiffres, alors c'est difficile, mais vu le nombre de panneaux conservés, vu le nombre quand même d'ouvrages publiés, on peut quand même imaginer que ça touchait quand même un public assez large. Et vu aussi peut-être la fierté que les Japonais tirent de leur savoir-faire en matière de calcul, encore aujourd'hui, hein, on peut penser que tout cela s'inscrit dans cette tradition-là. Bah, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. En fait, j'aurais des dizaines de questions à vous poser, mais je vais me contenter de peu. Je pense que c'est aussi lié au fait que je suis arrivé un petit peu en retard, donc j'ai manqué ce que vous avez dit sur la période qui précède Edo, donc mm-hmm. le XVIIe siècle. Notamment, je voulais, si vous vouliez bien, donner encore quelques éléments sur le rapport avec les mathématiques chinoises, mm-hmm. Parce que bon, j'imagine que à partir des Tokugawa, donc là, les contacts aussi avec la Chine devaient être limités aussi sur... Ça devient plus compliqué, voilà. Hein, mais même si ce n'est pas complètement fermé. Alors, pour la période qui précède, il ne faut pas croire que, effectivement, que tout commence avec les Tokugawa, loin de là. Mais dans le domaine des mathématiques, il ne reste pas véritablement de traces, disons, significatives d'une activité intense. Et aussi, il n'y a pas de traces de manuels d'enseignement organisé des mathématiques. Donc, on imagine très bien, puisqu'il y avait déjà pas mal de travaux d'aménagement, des travaux de construction de châteaux qui devaient nécessiter certainement des calculs. C'est évident. Donc, on imagine que l'enseignement du calcul est bien antérieur à l'époque des Tokugawa. Mais on n'en a pas de traces, donc on pense que bon, les premiers manuels conservés reflètent, disons, c'est un peu le point d'aboutissement de quelque chose qui s'est mis en place à partir du milieu du XVIe siècle. Et pour ce qui est des contacts avec la Chine, les contacts avec la Chine sont extrêmement anciens au Japon, donc dès le 7e siècle, par exemple, on sait que les ouvrages chinois sont importés au Japon et ils sont étudiés. On sait que les manuels de mathématiques sont étudiés par les Japonais de la cour impériale. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont produit leurs propres ouvrages. Ils les étudient, c'est clair. Il y a même des familles qui sont spécialisées dans ces matières-là. Mais on n'assiste pas à une tradition, enfin, à l'apparition d'une tradition propre qui produit donc ces ouvrages. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que l'on ne remarque qu'à partir du XVIIe siècle. Alors, juste pour continuer un peu ce rapport entre la Chine et le Japon sur ce point, on note des évolutions très différentes des mathématiques à partir de Tokugawa. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé en Chine à la même époque, s'il y a des développements très, très différents. En fait, il y a des points de convergence, mais la grande nouveauté dans le cas de la Chine, c'est que les jésuites, comme je l'ai dit, les missionnaires jésuites s'installent dans la cour autour de l'empereur de Chine, et ils vont devenir les astronomes de l'empereur de Chine, et ils vont produire donc un travail assez colossal, des collections complètes dans lesquelles on trouve des connaissances d'origine occidentale, mais un peu adaptées au public chinois. Et donc tout est écrit en chinois. C'est pour ça que les Japonais, à partir d'un certain moment, étaient extrêmement mais jaloux, et il voulait absolument s'approprier ce nouveau savoir venu d'Occident. Donc c'est à l'époque de Yoshimune qu'ils vont justement finalement lever la censure, parce qu'ils vont décréter que là, dans ce domaine-là, le christianisme ne pouvait pas avoir de conséquences, dangereuses. Donc pour ce qui est des sciences, on lève la censure.
Alors, pendant, donc, à la même époque, ce qui se passe en Chine, c'est que donc il y a une timide introduction des sciences occidentales. Donc ça, mais ce sont des mathématiques très orientées vers le calcul. Donc, ce sont les logarithmes, ce sont les fonctions trigonométriques, des tables de trigonométrie. C'est très tourné vers le calcul et ça ne correspond pas véritablement à ce qui se fait en Europe à la même époque. Et à la différence de l'astronomie, là, il y a quelque chose qui ne passe pas vraiment par les Hollandais. Les mathématiques n'ont pas véritablement retenu l'attention des Japonais. Il n'y a pas eu de traduction. Alors qu'en médecine, il y a eu des traités d'anatomie qui ont été traduits à partir du Hollandais, etc. Il y a eu tout un savoir assez important qui était connu des Japonais avant le 19e siècle, avant le passage de Meiji. Mais en mathématiques, pas grand-chose. Excusez-moi, juste un petit commentaire. J'ai trouvé aussi très intéressant le point que vous avez fait sur le secret, la culture du secret. Et en fait, là, je retrouve des choses qui sont très proches. Je comprends tout à fait votre prudence lorsqu'il est question de rapprocher le Wasan des arts, des autres arts. Mais je pense que sur ce point, en tout cas, la culture du secret, c'est extrêmement proche de ce qui se passe dans les écoles d'arts martiaux, dans les écoles de théâtre aussi, de No notamment. Avec les fameux hidden, enfin c'est à peu près le même principe, oui. Et la même fonction aussi sociale, la même fonction stratégique aussi de filiation, de fidélisation aussi des disciples pour ne pas qu'ils prennent les secrets. Donc ça c'est vraiment très... Justement, c'est tout à fait vrai. De toute façon, personne ne conteste cela. D'ailleurs, la terminologie est la même. Quand on dit Sekiryu, donc pour dire l'école de Seki, on dit Sekiryu, c'est exactement le même terme qui sert pour les arts martiaux. Donc il s'agit bien de la même chose, du même système de transmission, sauf que en mathématiques, disons que tout le monde n'avait pas le même respect du secret. Et c'est surtout que c'était plus difficile à conserver le secret. Bon, autant dans les arts martiaux, c'est quelque chose qui doit être transmis quand même d'individu à individu. Les mathématiques, bon, il suffisait de l'écrire dans un livre et de le publier. Et après, quelqu'un qui avait un petit peu de talent pouvait tout de suite voir de quoi il s'agit. Donc ça devenait facilement, rapidement des secrets de polichinelle. Oui, justement, et sur ce point, c'est très intéressant de voir la différence avec le développement à la fois des mathématiques et des autres sciences en Occident, enfin, qui a eu presque, puis c'est très lié dans l'Antiquité grecque en tout cas, à la démocratie, enfin, au principe de publicité, de transparence, enfin, une dimension politique évidemment très forte dans ce choix ou non de diffuser ou de conserver secrètement, enfin, cette espèce de différence entre l'aristocratie et puis une vision plus démocratique finalement de la science. C'est intéressant que même dans les mathématiques au Japon, il y a eu quand même cette tendance à faire pencher, enfin, à empêcher le principe de diffusion absolue ou de je ne sais pas dans quelle mesure on empêchait. J'ai un doute vraiment. C'est-à-dire que je pense que la tendance, en tout cas au XIXe siècle, avec justement l'essor de l'éducation, la volonté de chacun de participer justement à la culture, a fait plutôt pencher la balance en faveur de la diffusion. Donc le respect du secret était encore valable au XVIIe, XVIIIe siècle, mais à partir du XIXe, on assiste d'ailleurs, j'ai étudié quelques manuels où justement on enseigne les mathématiques, c'est vraiment des premiers pas jusqu'au niveau le plus élevé. On voit apparaître vraiment des ouvrages qui sont conçus pour que chacun puisse apprendre tout seul, chez lui, sans maître. Donc, ça montre bien que la tendance quand même est plutôt à la diffusion. Oui. J'ai été intrigué par le cercle avec les deux familles, enfin avec les enfants des deux épouses. Est-ce que c'est simplement un jeu mathématique ou est-ce que c'est un rapport direct avec le système de succession à cette époque ?
Le système de succession, certainement pas, je crois. C'est un jeu. C'est un jeu d'ailleurs probablement qui s'est transmis, il devait y avoir des équivalents dans la région, en Asie, en Chine. L'auteur du Jinkoki est issu d'une famille qui est engagée dans le commerce international et qui est allée au Vietnam, etc. Donc il y a vraiment, je pense, dans toute la région, il y a comme ça des jeux récréatifs qui se transmettent comme ça de pays en pays. Aucun rapport avec le système de transmission. Par contre, c'est un jeu récréatif qui va se transformer en problème de mathématiques vraiment plutôt costaud après. Une question de mathématicien maintenant. Je voudrais savoir s'il y a vraiment des grandes différences de fond entre le Watson de cette époque et les mathématiques occidentales, puisqu'il me semblait que ce genre de problème avec les cercles inscrits, les cercles tangents était aussi très, très... Par exemple, quand on se place à l'époque de Secchi, par exemple, au XVIIe siècle, il y a des convergences évidentes. Même à l'époque de Takebe, on peut effectivement établir on peut faire des comparaisons tout à fait pertinentes entre les mathématiques telles qu'elles sont développées en Occident à la même époque, avec l'analyse, si vous voulez, les séries infinies, etc. Mais il y a aussi des domaines entiers qui sont absents dans le Watson et qui vont quand même faire aussi qui vont être quand même à l'origine du développement des mathématiques en Europe. Et donc il y a tout le pan, si vous voulez, du raisonnement géométrique, de la démonstration géométrique, de la logique aussi. Il y a des pans entiers qui n'existent pas. Mais ce qui existe dans le Watson, en particulier, il y a aussi beaucoup d'arithmétique dans le Watson, des réflexions sur les nombres. Tout ce qui existe dans le Watson peut trouver un équivalent dans les mathématiques européennes, à différentes époques d'ailleurs. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais donc, ce ne sont pas des mathématiques exotiques en ce sens-là. On trouve bien l'équivalent. Sauf qu'on a peut-être développer un goût très particulier pour ce genre de problème. Disons que, mais cela dit, encore une fois, au XIXe siècle, il y a des mathématiciens qui sont très soucieux de dire, mais attendez, avec ces problèmes-là, c'est pas la peine d'en produire des milliers, et il faut produire des méthodes qui permettent de les résoudre de manière globale. Donc, il y a quand même toujours ce souci de généralité que l'on retrouve chez certains mathématiciens. Donc, il y a plusieurs niveaux. C'est comme si, en mathématiques, il y avait les amateurs, si vous voulez, et les professionnels, et que tout cela formait une grande famille qui communiquait les uns avec les autres. C'est ça la différence, si vous voulez. Il n'y a pas une élite l'élite cherchait à se distinguer en tant qu'élite, bien sûr, mais vu de loin comme cela, tout se mélange, si vous voulez. C'est ça qui fait que, bon, on peut avoir une vision peut-être un peu fausse du Watson. C'est parce qu'on veut absolument tout rendre compte de l'ensemble, alors que c'est comme si aujourd'hui on voulait rendre compte de toutes les activités mathématiques qui vont du petit magazine d'amateurs aux mathématiques qui sont découvertes dans un laboratoire du CNRS, si vous voulez. C'est ça.